gonna start over again. Too much went down between you and me, and I'm feeling pretty good right now. So I think I'm gonna let that go. All the things that we had, I remember what you said. Just a one time thing, it won't happen no more. Didn't I say you did the wrong thing? Did it for the wrong reasons. Kept on going, wrong direction. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous embarque avec moi deux jours de préparation avant de partir en vacances. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je sais, on est fin août, mais nous on part toujours fin août, début septembre, parce qu'Anthony a ses vacances à ces dates-là. Du coup, aujourd'hui on est jeudi 24, il est 9h, j'ai rendez-vous à 9h45 pour mes cils. J'ai vraiment pris mes rendez-vous la veille et l'avant-veille pour être au top juste avant de partir. Je vous embarque avec moi ces deux journées très chargées et très intenses. Je me suis fait des petites checklists, donc là c'est mon programme pour les deux jours. Et là c'est tout ce que je ne dois pas oublier pour les vacances. Je ne l'ai pas encore rempli, je vais le faire aujourd'hui. Je sais qu'il ne me manque rien pour tout ce qui est produit de toilette. Le gel douche, rasoir, crème, shampoing, soin visage. Je sais que j'ai tout parce que déjà j'avais déjà tout en double à la maison. Donc je n'ai pas eu besoin de racheter. J'ai juste 2-3 petites choses à reprendre chez Action, chez Yves Rocher, chez Kiko. Donc je vous embarquerai avec moi. Je vous montrerai au fur et à mesure de la journée. Je vous ferai également un petit haul de ce que j'ai acheté en dernière minute. Aujourd'hui je dois préparer les valises. Principalement les miennes, parce qu'Anthony lui fait sa valise, je ne m'occupe pas de ça. Je m'occupe vraiment que de mes valises et celles de Shadow, comme ça je n'oublie rien. Parce que pour Shadow, je ne dois pas oublier les plaids, le panier, les croquettes, les friandises, les gamelles, plein de choses. J'avais oublié de prendre les gamelles, donc ça faut vraiment pas que j'oublie. Donc je vais tout noter ici sur ma checklist. Ici on a la catégorie vêtements, Shadow, chaussures, électroniques pour tout ce qui est chargeur. Ça à ne surtout pas oublier. Les produits de toilette, les accessoires, les papiers, la pharmacie et pour la maison, tout ce qui est drap, coussin, thé d'oreiller, etc. Donc ça, je ne dois pas oublier. Je vais tout noter après. Là, il est 9h, j'ai rendez-vous à 9h45 pour mes cils. Je vous embarquerai avec moi. En plus de ça, je dois aller faire mes ongles, mes sourcils, mes pieds. Enfin voilà, ça sera vraiment une vidéo avec plein de choses dedans. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Bien évidemment, avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, à vous abonner, n'hésitez surtout pas. J'essaierai également de vous faire un petit vlog en vacances, je ne vous promets rien. On verra vraiment sur place si j'ai l'envie ou non. Mais je pense quand même vous en faire un, on verra vraiment là-bas. Du coup, je vous embarque avec moi, allez c'est parti. Il pleut. Il pleut. Bien évidemment, un trajet sans musique, c'est pas un trajet. Du coup, c'est parti. Je viens de sortir des cils, je suis contente, je suis pas en retard, j'ai rendez-vous dans 5 minutes pour mes ongles. Ça va, c'est pas loin, c'est au bout de la rue juste ici, à 1 minute. Donc je suis tranquille et rassurée, j'avais trop peur d'être en retard, enfin que ça fasse juste. Toute la matinée, c'est vraiment prendre soin de soi, les cils, les ongles. Je suis trop contente, ça fait vraiment du bien, ça fait du bien au moral quand on prend soin de soi. Du coup, la direction les ongles, je vous embarque avec moi, c'est parti.
that we made won't fade away for a while. You said you don't mind, that you'll be just fine. No room for second chances. Hey, I got all that I need. No need to apologize. We won't waste any more time, yeah. Course de dernière minute, j'ai complètement zappé de prendre une glacière. Du coup, j'espère qu'il y en a encore. C'est parti. Ici, on a la glacière. Elle est à 6,95€. Soyez en bleu. Alors, je pense plus partir sur le gris. Ça prend pas trop de place parce qu'en fait j'ai vu ça, mais déjà 30€ et se le trimballer c'est pas top top quoi. Du coup ça en sac à dos je trouve que c'est un peu plus pratique. Après il y a ceux-là mais elles m'ont l'air pas très solides. Regardez, elles sont à 3€, mais enfin, et même la couleur ne me plaît pas. J'ai également vu ça pour la plage mais c'est encore 10€, donc on va éviter. Je pars sur celle-là. Tout ce qui est glaçon, j'ai déjà, donc ça, ça va. Ouais, il manquait vraiment que ça. Les filles, je viens de voir ça, c'est du détachant. Il a l'air bien, je vais tester. J'ai voulu prendre ça, mais il y a 6,50€. Ça fait quand même assez cher. Ici, il y a la crème à récurer, mais on la trouve partout. Du coup, ça sert à rien que j'en reprends. Regardez, ils ont fait quand même un sacré rayon pink stuff. Il est 14h, je viens de rentrer, j'ai été faire mes ongles et j'ai été chercher tout ce qui me manquait pour les vacances. J'ai quand même pris des choses qui vont pas trop me servir pour les vacances mais plus pour la maison. Mais bon voilà, c'est pas grave, au moins je les ai. Concernant mes ongles, j'ai fait un baby boomer. Je pense que ça se dit comme ça. Franchement, elle me les a trop bien fait. Le résultat est incroyable. Je vous mets son Instagram juste ici. N'hésitez surtout pas si vous êtes dans le Valenciennois, dans le Nord. N'hésitez surtout pas. Franchement, le résultat est incroyable. Ça fait vraiment naturel. Je me suis dit, pour partir, je ne fais pas de couleurs. J'avais hésité avec les couleurs pastel, mais après, je me suis dit, bon, j'ai des tenues de toutes les couleurs pour partir. Du coup, autant faire du simple. Donc, j'ai fait un baby boomer. Je sais pas comment ça se dit. Mais bon, voilà, on se comprend. Du coup, voilà, je suis contente. J'ai été faire mon petit tour. Et je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai été chez Action, Yves Rocher, Kiko et au magasin Normal. J'ai pris plein de choses. Donc, je vous montre tout ça maintenant. On commence avec Action. Comme vous avez pu voir, j'ai pris la glacière. Parce que j'ai complètement oublié de prendre une glacière. Que ça soit pour la route ou même pour la plage, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à en prendre. J'avais mis deux petites glacières qui venaient de chez Jiffy. Et en fait, il y a 2 ans en vacances, ça a été une catastrophe, ça restait pas frais. Enfin voilà, on voyait vraiment que c'était du premier prix. Quand je dis premier prix, c'était 1€. Et là, j'ai trouvé celle-ci. Elle était à 6,95€, je pense. Elle est vraiment très bien. En fait, elle est sous forme de sac à dos. Et je me dis, si on va visiter un peu dans le sud, bah on peut la prendre partout. J'avais vu la grosse glacière, vraiment la énorme, et je me suis dit, pour transporter ça, enfin, c'est pas du tout pratique. Donc là j'ai pris ce petit sac qui m'a l'air vraiment solide. J'ai pris en gris et c'est une 14 litres. Qui dit vacances dit sac de plage. Je devais en commander un sur Shein. En fait, je m'y suis pris quand même assez tard, donc j'ai pas eu le temps de le prendre. Et là, j'ai trouvé celui-ci chez Action. Regardez, il est vraiment très beau. Il est quand même assez spacieux, donc je me dis, les serviettes de plage, les bouteilles, ça passe. Si on part, ben voilà, moi je prends ce sac-là et Anthony celui-là. Et ça fait l'affaire.
Donc ça pour tout ce qui est frais, et ici pour les affaires de plage, les maillots de bain, les crèmes solaires, donc voilà. Et à l'intérieur, c'est une matière qui peut se laver directement avec une lingette ou quoi. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Comme vous avez pu voir, j'ai acheté une serviette de plage. Bon, du coup, on en a trois. Donc je me dis, bon, c'est pas grave. J'en ai encore deux dans la salle de bain. Donc voilà, ça fait 5 pour 2 semaines. Je me dis, ça fait l'affaire. Après, c'est juste histoire de mettre sur le sable ou sur le transat. Donc voilà, après, je pense pas que ça se lave tous les jours. Parce que c'est juste histoire de poser, quoi. C'est pas une serviette pour se laver. Donc ça, j'en ai 5 pour partir. Il y en a 2 noires, celle-ci que je viens de reprendre. Et j'ai 2 bleues dans la salle de bain que j'avais pris l'année dernière. Elles étaient vraiment pratiques. Et c'est vrai qu'on ne les lavait pas tous les jours, mais on changeait régulièrement quand même. Toujours chez Action, j'ai pris des petites microfibres pour les soins visage. Donc là, il y a du lundi au dimanche. Moi qui fais énormément de soins au visage, ça c'est pratique. J'ai également trouvé cette petite brosse 2 en 1 pour le visage, pour nettoyer le visage. Et c'est vraiment très bien. J'avais vu une vidéo sur Insta et franchement je me suis dit bon pourquoi pas tester. Donc on verra si ça fonctionne vraiment. Toujours chez Action bien évidemment, j'ai pris cette petite serviette pour les cheveux. Je me suis dit bon pour la maison ou même pour partir en vacances c'est pratique. Je me dis si on veut pas mouiller ses cheveux dans la douche, on met ça et c'est pratique. Bon on va dire que c'est pas très glamour mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Et c'est toujours bien d'avoir ça à la maison. J'ai repris des élastiques parce que je peux vous dire qu'ils disparaissent à chaque fois à la maison. Pourtant, il n'y a que moi qui les utilise et ils disparaissent non-stop. Du coup, j'ai pris 3 paquets. J'ai pris des normaux, des un peu plus épais et des petits. J'ai pris ce petit soin nettoyant visage. Il est vraiment très bien. Ça fait à peu près 4-5 mois que je l'utilise. Et il est vraiment top, ça nettoie vraiment bien la peau. Je le fais le matin et le soir. Ici, ils disent que c'est un gel légèrement moussant à l'aloe vera. Il nettoie en profondeur, appliqué sur une peau sèche ou humide. Massez le visage et le cou avec les mains et rincez abondamment à l'eau chaude. Et franchement, je peux vous dire qu'il fonctionne vraiment très bien. J'ai pris ce petit roll-on pour le visage en dessous des yeux. Ça favorise la circulation sanguine, réduit les poches et contribue à éliminer les rides et les cernes. Tête froide pour une sensation de fraîcheur, facile à transporter. Donc bon, il est tout petit et je me dis ça fait l'affaire. C'est la première fois que je vais utiliser ça. On verra un peu. J'avais déjà vu des vidéos et ça m'a l'air pas mal. Donc on va tester tout ça. J'ai pris ce petit parfum. Bon, il est tout petit mais je me dis que ça fait l'affaire. Ça évite de prendre tous mes parfums de marque. Je vais juste en prendre un, soit le Burberry, soit le Jean-Paul Gaultier. C'est une petite eau de parfum et je me dis que ça fait l'affaire pour partir en vacances ou même mettre ça dans son sac quand on veut se parfumer un petit peu. J'ai voulu prendre ce masque. Bon, je sais pas trop comment ça va se mettre, si c'est un qu'on applique directement ou s'il faut l'étaler, je sais pas encore. Mais bon, ça c'est pour les soins visage. On va tester avec Anthony. Pour partir, je me suis dit autant prendre un petit paquet de coton. J'avais pensé à prendre mes petits cotons lavables, mais après je me suis dit bon c'est pour les vacances, autant prendre des petits cotons. Donc là j'ai pris en petit format. J'ai décidé de changer ma marque de rasoir. Je prenais Wilkinson Femme et en fait j'ai décidé de prendre Gillette Vénus. Je vais tester. J'ai plusieurs copines qui les utilisent et elles me disent qu'ils sont vraiment très bien. Donc je vais tester. Donc ça sera pour les vacances. J'ai trouvé pas trop cher un spray après soleil chez Action. On verra ce que ça donne, mais bon, j'en ai trouvé un autre chez Kiko que je vous montrerai juste après. Donc, je pense que celui-là, ça sera plus pour Anthony et Kiko, ça sera pour moi. Mais ils sont vraiment très bons. Ils sont un peu à la menthe, franchement. Ça sent très bon. J'ai repris un dentifrice parce qu'en fait, Anthony a été chercher du dentifrice et je n'aime pas du tout. Enfin, le goût, il est dégoûtant. Du coup, j'ai pris Intégral 8. Je préfère celui-là. Donc ça, celui-là, c'est pour les vacances. On passe maintenant à Kiko. Bon, chez Kiko, j'ai bien évidemment repris encore et encore cette magnifique crème. C'est la collection Saint-Valentin de chez Kiko. Et franchement, elle est à chaque fois en promotion. Donc, à chaque fois, je la reprends. Je pense que c'est au moins la 5e que je reprends. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, cette crème-là, elle est juste incroyable. J'ai également trouvé chez Kiko cette crème après soleil. Alors là, c'est à l'aloe vera. Et elle sent hyper bon, franchement. Et la bouteille est magnifique. Ils sont vraiment bons en fait, ils sont au soleil, j'ai envie de vous dire. Ça laisse une texture agréable sur la peau, franchement la peau elle est toute douce juste après. C'est le Dolce Diva After Sun Crème. Franchement incroyable et ils sont trop bons. J'ai également repris un anti-cerne d'une teinte au-dessus de la mienne. Je me dis, voilà, je bronze
extrêmement vite. Du coup, j'ai pas envie de mettre de l'anti-cerne assez blanc alors que j'ai la peau un peu plus bronzée. Donc là, j'ai pris une teinte au-dessus. Là, c'est le numéro 7. Moi, d'habitude, je prends le numéro 3. J'ai pas acheté grand-chose, je vous cache pas, mais j'ai eu énormément de cadeaux. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ici, nous, on a pris le shampoing gel douche au Monoi. L'été, c'est une valeur sûre, le Monoi. Je le prends principalement chez Yves Rocher. Ils font certaines promotions sur la gamme Monoi. Je vous cache pas que j'en prends aussi l'hiver. Parce que moi, le Monoi, enfin, c'est toute ma vie, clairement. J'adore le Monoi, je me lave toujours au Monoi. Comme vous avez pu voir, les shampoings de chez Maybe Paris, c'est au Monoi. Franchement, j'adore. J'ai des parfums au Monoi, j'ai des brumes au Monoi. J'ai tout. Franchement, j'adore le Monoi. Enfin bref, donc j'ai pris ce gel douche shampoing, on en a pris deux. Ensuite, j'ai pris ce gel nettoyant pour les mains, toujours au Monoi, en mini format. Anthony m'a dit de lui prendre une crème main hydratante au Monoi. Elle sent vraiment très bon, mais elle coule assez vite. Donc il faut faire vraiment très attention à mettre une petite noisette. J'ai aussi repris une brume parfumée pour le corps au Monoi. La mienne, je l'ai terminée, ça va assez vite. Et du coup, j'en ai repris une. J'ai pas repris le parfum parce que j'en ai encore. Et l'huile au Monoi pour bronzer, j'en ai encore aussi. Mais bon, comme vous pouvez voir ici, le temps est tellement pourri que je n'utilise pas. J'ai dû l'utiliser à peine deux fois cet été, donc il m'en reste encore. Donc là, j'ai préféré prendre la brume parfumée pour le corps. Avec mon compte Fidélité de chez Yves Rocher, j'ai eu un shampoing réparation au jojoba bio sans sulfate, cheveux secs et abîmés. Donc en petit format, je me dis c'est trop bien pour partir. J'ai également eu l'eau micellaire démaquillante purifiante à la menthe. Donc ça c'est bien aussi, c'est vraiment en petit format. Moi qui avais déjà acheté de l'eau micellaire, moi je me dis je préfère prendre celle-ci. J'ai aussi eu la petite brosse, elle est vraiment très bien en bois. Bon, je suis pas fan du bois, mais elle est vraiment très bien. Ensuite, j'ai eu un genre de petit vernis transparent. Bon après moi j'ai fait mes ongles, donc ça va pas être très utile pour moi, mais bon c'est pas grave. Ça reste quand même bien d'avoir eu ça en cadeau. J'ai également eu cette magnifique petite pochette, on va la découvrir ensemble. Donc à l'intérieur il y a le gel nettoyant ultra fraîcheur pour peau normale et mixte, l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 pure algue, une pince à épiler, ça c'est vraiment très bien, en plus elle est magnifique. Et les pinces à épiler de chez Yves Rocher, elles sont vraiment trop bien, elles fonctionnent très bien. Ensuite j'ai eu un démaquillant express pour les yeux, maquillage résistant à l'eau. Moi je fais des extensions de cils donc ça ne sera pas très utile. Mais bon c'est pas grave, c'est toujours utile lorsqu'on met du mascara ou quoi. Et il y a cette petite pochette qui est vraiment très belle. Du coup voilà pour Yves Rocher. J'ai eu quand même pas mal de petites choses donc ça c'est vraiment sympa. Je passe maintenant au magasin Normal. C'est un magasin où il y a plein de choses et j'adore ce magasin. Pour ma part, plus c'est fourre-tout, plus j'adore. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Donc ici j'avais vu dans une vidéo YouTube, c'est une vidéo soin du corps, j'adore ce genre de vidéo. Et en fait la fille elle utilisait une brosse de gommage exfoliant pour le dos. Donc je vous montre un peu. Donc elle se compose comme ça et il suffit de mettre et gratter. Bon je vais pas vous faire une démonstration. Et ça c'est vraiment très bien. J'ai également trouvé ce petit gant de gommage. Je me suis dit ça c'est parfait quand je fais mes soins dans la douche. En plus je me dis la peau elle est pas très belle avec le soleil et tout. Donc ça c'est vraiment très utile. Ensuite j'ai trouvé ces petits gants exfoliants. Donc c'est des gants en basique qu'on met. Et il y en a deux, j'ai pris en couleur blanche. Je trouve que ça rend mieux donc. Et c'est des gants de bain exfoliants. J'ai également trouvé ces deux petites éponges jaunes pour le visage. Donc quand on enlève le soin visage ou quoi, c'est toujours pratique. Ne me demandez pas pourquoi j'ai repris des cotons, mais là ils sont un peu plus grands. Donc je me dis, ça fait aussi l'affaire. Donc je vais prendre les deux paquets, on sait jamais. Dans ma valise, ça va beaucoup être du on sait jamais, vous connaissez. J'ai également pris ces deux petites fleurs de douche. Anthony n'est pas fan, mais je me dis pourquoi pas pour les vacances, quand on fait les soins du corps, dans la douche. Je me dis que ça fera l'affaire, donc j'en ai pris deux, une blanche et une grise. Une pour Anthony et une pour moi. Voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Là, je vais commencer à faire mes valises. Je vais vous montrer tout ce que je prends et tout. Enfin voilà, principalement pour mes vêtements parce que la valise... Anthony, c'est lui qui l'a fait, la valise des draps et des serviettes, ben voilà, c'est pas très intéressant à voir. Donc ça, ça va être rapide à faire, c'est plus ma valise qui va mettre du temps, quel maillot de bain prendre, quel vêtement prendre, quelles chaussures prendre. Je vais également vous montrer ce que je mets dans mes trousses de toilette.
ici dans cette petite pochette, j'ai mis tout ce qui est pour la pharmacie, ici des petits patchs chauffants pour le dos au cas où, des lysopaïnes, de la crème au cas où si on a des piqûres de moustiques, j'ai mis des protège slip, ici j'ai mis du daquin, un thermomètre, de la bisectine. J'ai pris aussi de la crème pour les coups, j'ai pris mon traitement, j'ai également pris de la biafine en cas de gros coups de soleil, un produit pour le nez et là je vais rajouter les doliprane. Ici dans cette petite pochette, je l'ai trouvé période Covid dans le sud, elle est vraiment très bien, c'est un petit magasin fourre-tout et dedans je mets Ménana, bon, là on voit l'étiquette des masques mais bon c'est pas grave, donc moi je mets Ménana. Ici, dans cette petite boîte, je mets mes bijoux, donc il y a quelques paires de boucles d'oreilles, j'en ai pris à peu près 5. Et mes bracelets Pandora et mon collier Pandora, je me dis que j'ai assez pour 2 semaines. Du coup, là tout est fait, j'ai plus qu'à tout mettre dans la valise. On est vendredi 25 août, aujourd'hui c'est le grand départ. On part de nuit, Anthony préfère conduire la nuit, il dit que c'est mieux. Et c'est vrai, au moins il y a moins de voitures, moins d'embouteillages. On arrive à peu près toujours vers 13-14 heures. On fait quand même pas mal de pauses, parfois Anthony s'arrête une petite heure pour se reposer. Moi, je suis malade en voiture. Donc là, il est 10h30, je me suis levée à 9h45. Je peux vous dire que je suis claquée. Déjà, j'angoisse un petit peu le fait de prendre la route autant de temps vu que je suis malade. Je dois pas oublier de passer à la pharmacie pour prendre du Nausicalm. Aujourd'hui, le programme va être très simple. Je vais nettoyer la maison juste avant de partir. Changer les draps, vraiment mettre un petit coup de propre dans la maison. Parce que je veux pas partir avec une maison sale, poussiéreuse et en bazar. Tout est prêt pour les valises, il me reste plus qu'à faire le sac à shadow. Anthony a déjà fait sa valise hier soir, donc ça va. Cet après-midi, j'ai rendez-vous pour mes pieds et mes sourcils. Donc voilà, donc moi je vous embarque avec moi toute cette journée. Jusqu'à maintenant, j'espère que le vlog vous plaît. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai mis toutes les trousses de toilette dans ce sac, mais tout va aller dans cette valise. C'est une valise qui vient de chez Action. Je pense que ça fait 7 ou 8 ans que je l'ai et elle n'a pas bougé. Bon, là il y a eu des petits coups à l'aéroport. Bon, Shadow qui fait encore son petit curieux. Du coup, je disais à l'aéroport, ça l'a un peu abîmé quand on était parti en Italie, mais sinon elle est vraiment nickel. Je pense que j'avais payé à peine 20 euros et ça date, franchement, ça date de ouais, 7-8 ans, si pas plus. Je la prends à chaque fois quand on part. Tout est rentré, je suis contente. Il y a juste ici où j'ai vraiment du mal à fermer. Je me dis, c'est pas grave, c'est juste le temps du trajet. Tout est rentré, je suis vraiment contente. Il y a 6 trousses de toilettes, je ne pensais pas que j'allais avoir besoin d'autant. Mais j'ai toujours peur de manquer, donc c'est pas grave. Le principal, c'est que ça rentre dans la voiture. Ça va être une autre mission. Je sais que ça va être une source de dispute avec Anthony. À chaque fois, on a le coup, on se dispute, on dit qui a raison, qui a tort. Enfin voilà, c'est le stress juste avant de partir en vacances. Lui, il est un petit peu stressé. Il sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein, mon petit chat? Mais bon, voilà, tout est fait. Je suis rassurée que ça rentre. Du coup, je vous montre tout ce qu'on a pris. Donc ici, c'est pour Shadow, donc il y a son sac, dedans il y a des plaids, il y a des friandises, il y a les lingettes, il y a vraiment tout pour lui. Son harnais avec une laisse, son petit os pour la voiture. Ici, c'est son gros sac de croquettes. Ensuite, on lui a pris son petit panier avec les jouets, son panier. Et ici, on passe aux valises. Il y a plusieurs semaines, j'avais déjà fait un peu l'organisation. Donc ici, c'est tout ce qui est draps, serviettes, gants de toilette. Ensuite ici, c'est tout ce qui est maillot de bain, sous-vêtements, sacs, chaussures, vestes, chaussettes et les bijoux. Ici, on a la glacière. Chez Intersport, j'ai trouvé ce petit coussin de plage. Je me dis c'est vraiment pas mal pour la plage, la piscine ou même pour la route. Ensuite ici, on a mes vêtements. Là, c'est les trousses de toilette. Ici, c'est mes vêtements et les vêtements d'Anthony. J'ai su quand même gérer et ne pas prendre trop de vêtements. Ensuite ici on a le sac de plage et là c'est quelques chaussures et quelques vêtements à Anthony. Juste avant de partir on va pas oublier de prendre la gamelle. Je voulais également vous montrer cette petite astuce. Il y a 2 ans quand on est parti la première fois en vacances avec Shadow, on a trouvé cette petite bouteille. Donc en fait il vous suffit de la remplir et d'appuyer et l'eau en fait elle va sortir ici. Et c'est super pratique pour le chien.
en voyage pour boire, ça évite de sortir les gamelles. Donc vous pouvez mettre soit les croquettes, soit l'eau, si on préfère mettre que l'eau, et dans le sac on a une autre petite gamelle pour les croquettes. Du coup, on est prêt. Je pense que dans ce sac, je vais rajouter mon lisseur et mon sèche-cheveux. Mais bon, ça après, je vais prendre ma douche, donc j'en aurai besoin parce que je vais laver mes cheveux juste avant de partir. Et on n'aura plus qu'à mettre le Cookeo parce que bien évidemment, je ne pars pas sans mon Cookeo. Et sinon, tout est prêt. Je suis vraiment contente. Là, je vais aller prendre ma douche, manger et ensuite, je vais à mon rendez-vous. J'ai rendez-vous pour mes pieds et pour mes sourcils. Je vais essayer de vous filmer un petit vlog en vacances. Du coup, je prends ma lampe, mon trépied et bien évidemment mon appareil photo. J'ai aussi préparé des trousseaux. Donc là pour Anthony, j'ai mis un short, des sous-vêtements, un t-shirt et des chaussettes. J'ai fait la même pour moi parce qu'en fait je me suis dit quand on part sur la route, le temps du trajet, autant être à l'aise. Donc j'ai préféré prendre des shorts assez larges. Celui-ci il vient de chez Shane et celui d'Anthony c'est Bershka. Lui il a pris en noir et moi en gris, au moins on est assorti. Je me suis dit on va pas mettre de pantalon ni de jean, autant être à l'aise. En plus de ça dès qu'on arrive dans le sud il fait super bon, donc autant être en short. The thought of you keep running through my mind. I had to pull the plug this time. It was all good till the love gave in, girl. And it was my fault. I was trying to give you all you need. Didn't see the blindfold. All them nights, all that time. Can't believe it was all just a game. You really took my heart for a drive. C'est parti. On fait les valises. On met tout dans la voiture. On est prêt. Oh, on n'a pas appuyé. Ah, je pensais que tu avais appuyé là. Non. Du coup ici les quatre valises elles passent, Anthony a mis comme ça, ça ferme donc ça va, c'est le principal. Et là on va mettre le reste, on a son gros sac et d'autres petits sacs et c'est bon. Franchement on va mettre deux trois petites choses ici à l'arrière, Chatou il ira à l'arrière de ce côté là et c'est bon. Au final, on met pas la plage arrière parce que bah, ça prend trop de place. Donc ça, on va la laisser à la maison. Et du coup, voilà, bon, on est tranquille. Tout est passé. Ça fait pas bazar dans la voiture, déjà ça. On doit juste rajouter le ventilateur, le Cookeo et c'est bon. Et on ne part pas chargé. Donc ça, c'est top. On en parle de ma tête. Je suis fatiguée. Franchement, en plus, aujourd'hui, je me suis habillée hyper simple. Dehors, il fait pas du tout bon. Du coup, j'ai mis un pull, enfin voilà quoi, le temps du Nord. Là, je vais terminer le montage. Ensuite, je prends ma douche et je lave mes cheveux parce qu'ils sont dégoûtants. Ce matin, je me suis tapé la drache quand j'ai sorti Shadow sur mes cheveux. Donc, j'étais trempée. Mais je me suis dit que j'allais les laver vraiment en dernière minute. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et nous, on se retrouve samedi à 10h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss with you. Still it feels just